Et hop mes petits frères, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui va annoncer mon retour. Alors les gars, comme vous l'entendez, j'ai la crève, je suis kitché malade, vraiment je vais pas très bien. Mais ça fait une éternité que je veux faire cette vidéo pour en gros faire mon retour sur YouTube. Donc il faut que je la fasse et je la fais aujourd'hui. Alors je vais vous expliquer globalement comment j'ai perdu ma chaîne et ce qui va se passer dans le futur de la chaîne, tout en faisant un petit gameplay familial. Alors en gros les gars, j'avais commencé YouTube pendant un mois déjà. Au bout de ces un mois, j'avais atteint un petit peu plus de 200 abonnés. Vous allez me dire c'est pas grand chose comme Squeezie ou je sais pas quoi, mais croyez-moi, 200 abonnés en un mois, c'est très bien. Surtout pour ce que je proposais, vous voyez. Excusez-moi pour ma voix. Et genre, j'avais du coup atteint 200 abonnés et tout. Et ma chaîne, du jour au lendemain, alors il faut savoir qu'on a droit à 3 strikes. Les strikes, en gros, c'est les erreurs qu'on fait. Et les choses interdites, on va dire. Et au bout de 3 choses interdites qu'on fait, notre chaîne, elle est supprimée. Après, il faut savoir, en gros, que les strikes, on peut les récupérer et tout, si on a un comportement correct pendant quelques temps et tout. Donc moi, en gros, les gars, j'avais 0 strike. J'étais impeccable, tu vois. Et comme ça, du jour au lendemain, je vais sur ma chaîne, elle n'existe plus. Elle n'existait plus du tout. Donc je sais pas, j'ai regardé dans les règles, j'ai regardé plein de trucs et tout. J'ai pas eu de réponse fixe, de réponse correcte. Mais ce que j'en ai déduit, c'est par rapport à mes droits d'auteur. Je sais pas si vous avez remarqué, s'il y a des anciens peut-être qui retrouvent la chaîne par miracle, ce qui m'étonnerait quand même. Mais je mets beaucoup de musique. Et je connaissais les droits d'auteur et tout, du coup je mettais le son assez faible. Mais malheureusement, je connaissais pas trop le truc malgré tout, le système, et je mettais pas le son assez faible. Et du coup, je me suis pris des droits d'auteur à cause de ça. Et du jour au lendemain, YouTube, il a dû passer toute ma chaîne, il a dû l'analyser complètement, tu vois. Il a remarqué que sur plein de mes vidéos, j'avais plein de droits d'auteur que je n'avais pas. Et du coup, ces fils de pute, ils m'ont niqué ma chaîne directement, sans m'avertir avec un strike ou quoi. Je pense que c'est ça, c'est ce que j'en ai déduit, c'est ce qui me paraît le plus normal. Donc je vous cache pas que j'étais un peu dégoûté, les gars. Tu vois, même si c'est 200 abonnés, c'est pas énorme pour vous, mais dites-vous. Quand on commence YouTube, qu'on a 200 abonnés, on est trop heureux. Moi, j'étais trop content, les gars, j'étais trop fier de moi. Donc voilà, les gars, je vous ai expliqué à peu près comment j'ai perdu ma chaîne. Et maintenant, je ferai gaffe à l'avenir. Avec les droits d'auteur. Sinon, les gars, sachez que les 2 prochaines vidéos sur la chaîne, ce seront les 2 seules vidéos que j'ai réussi à sauver de mon ancienne chaîne. J'ai réussi à trouver 2 vidéos grâce... J'ai cherché partout comment je pouvais faire pour les récupérer et tout. J'ai réussi à en sauver 2. Donc j'étais vraiment content malgré tout. Parce que de base, je pensais repartir avec rien. Je l'ai réussi à en sauver 2. Ce seront les 2 prochaines vidéos que je mettrai sur la chaîne. Et ensuite, je vais tâcher de respecter une vidéo par jour. Le fait que je ne sois pas concentré, j'espère que je ne vais pas crever quand même. Voilà, 39 000. Non, c'est bon, on est bien. Et du coup, voilà, les gars, je vais revenir en force. Je vais proposer du contenu tous les jours. J'espère cette vidéo-là, malgré ma voix et ma maladie, ça va aller. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, sinon, les gars. Au moins, tout ce temps que j'ai passé à ne plus faire de vidéos, ça m'a permis de réfléchir et de me rendre compte de pas mal de choses. Vous savez, je veux faire des vidéos Fortnite mobile. Et j'avais pas le câble qu'il me fallait pour en faire. Je sais enfin quel câble c'est. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, j'ai enfin eu une réponse. Et croyez-moi, c'était compliqué. Donc je suis vraiment content de ça. Donc il y a moyen que ça arrive dans les genre 2 semaines, tu vois, un truc comme ça. Parce que normalement, le fil qu'on m'a dit, c'est le bon. J'ai tout ce qu'il faut normalement pour le faire. Donc voilà, les gars. Il y aura du Dokkan Battle, du Fortnite mobile. Je reviens en force là. J'espère que je vais pas rester malade comme ça toute ma vie non plus. Donc voilà les gars, comme je vous ai dit, les 2 prochaines vidéos, ce sont les 2 seules vidéos que j'ai réussi à sauver de mon ancienne chaîne. Comme vous voyez, j'ai 83 cadeaux. Ça fait beaucoup quand même. C'est en fait, il y a aussi toutes les récompenses du Tenkaichi Budokai. Où en gros, je vais vous faire une vidéo où je vous montrerai combien de thèmes j'ai fini et on fera les invocations. Et du coup, les 2 prochaines vidéos, ce sont des vidéos que j'ai réussi à sauver. J'en ai préparé pas mal d'avance que je vais vous enchaîner. Et je mettrai la vidéo Tenkaichi Budokai dans quelques jours quand même. Et
Je pense que je vais la faire maintenant, même si je suis malade. Parce qu'après, je vais avoir trop de cadeaux. Ou alors, je prends les cadeaux. Je sais pas trop comment je vais faire ça. Mais je vous la proposerai d'ici quelques jours. Et je vais éviter de faire des vidéos en étant malade comme ça. Donc voilà, les gars. En tout cas, j'espère les anciens, ils vont retrouver le chemin de la chaîne. Ça me ferait plaisir, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me soutenir, les gars. Parce que là, je vais en avoir besoin. Mais je reviens en force, les gars. Croyez-moi. Allez, les gars, kiffez la vie. Portez-vous bien. Ciao, ciao.